gouvernement nous aujourd'hui, il n'y a pas son directeur l'ordre pour les retirer des agents parce que le peuple avait construit le canal d'Intel, canal de la production nationale. Et bien, on m'a dit de retirer, ça oui, comme justification, gouvernement Abinader, gouvernement dominicain, pas d'accord, construction canal. Qui donc, je dis à nous devant cette réalité que tout le pays y a trouvé aujourd'hui, non seulement derrière cette idée que pour nous faire ça, nous capables pour que nous retirer M. Sarr, qui prend en otage tous les rênes du pouvoir de ce pays, il n'y a pas réglé en rien. Ce monde-là qui a levé maintenant les pour dire yon bagay que Ariel Henry fait avec tout le gouvernement pendant 3 ans là, m'a bon gros prime. Fait mal. Oui, je connais ça le fait. Il a augmenté l'insécurité. Moi, je connais ça. L'augmenter l'insécurité, il a consolidé les gens qui ont des armes dans les gens. Donc, il a monté le gaz là, et combien de mille fois. Oui, il a fait ça, moi je connais ça. Mais je parle de bagailles positives. Nous avons parlé de questions positives. Un bagaille qui allait dans le sens de la population. Zéro. Qui donc, je dis là, je dois lancer un appel à vous qui êtes journaliste. De la presse parlée, écrite et télévisée, qui l'a. Nous avons responsabilité, je dis, à l'égard de pays, nous. Pour non seulement nous camper pour Haïti, mais pour nous dire non à modèle irresponsable, ça y est. Et je dis à M. Ariel Henry, c'est ça nous sommes capables de personnage qui symbolisait l'irresponsabilité. Le non-pouvoir, nous seul l'aile parler. C'est lorsque des mouvements qui ont fait dans le pays pour demander de qui droit, de qui manigance, de qui mandat, de qui consensus dans le pays. Depuis un groupe de monde qui a fait pour ça, c'est laisse à la parler. Après, ça, on va jamais te dire encore. Qui donc? Nous devons lancer un appel à la population pour nous demander. La population du Sud qui déjà a pris responsabilité. La population du Nord qui a pris responsabilité. Du Grand Nord. La population du Jacmel qui a pris responsabilité. La population du Centre qui a pris responsabilité. Et je lance un appel à la population de la zone métropolitaine. Comme si nous-mêmes nous parlons d'insécurité. Il n'y a pas kidnappé les familles nous tout. Il n'y a pas torturé les familles nous. Nous marchons libre, bah la douce pour nous, mes amis. En nous honnête. Bon, en nous parler en frère. Donc, nous en forme, genouillé là. Les nous venons là, nous pas garder en haut, garder en bas, nous bien fait. Chaque moto nous est passé bon côté nous. Garder votre nous fait tuyot. Et ça, nous voulons. Moun qui n'a quatre populaire, nous en forme, genouillé là. Ouvrier, yo. Bon, m'expliquer nous bagage aujourd'hui là. Si nous pas connaître la presse parler, écrit et télévisé qui là. Hier! Hier! Parce que tout le monde connaît M. Avocat ouvrier dans le pays. Moi, j'ai un groupe ouvrier pour dire, après, un groupe nous fait contre M. Appel. Pour y'a jeune chèque. Dans pile là-dedans, qui fait pendant un an là, y'a fait 4, ça y aurait les 4 des malogues là. Y'a pas qu'à jeune 4 là. Et je dis, y'a dit, juste peut-être le mois de mars, mon nouveau chèque normal, la banque dit, faut le 4 pour le changer. Deuxièmement, allez dans le DGI. Vous avez déjà dit, depuis 3 mois, ça pour yon imprimer ti kat qui est les matricules là. L'État haïtien pas tel. Donc qui ça Ariel Henry a réglé à pays non. Donc qui ça Ariel Henry a réglé à pays noir. Ou m'a dit 320 milliards de gouttes pour faire qui ça. Donc tout bagay bloqué dans le pays là. Nous pas de présidence. Nous pas de parlement. Nous pas d'institution. Nous pas de rien. Comme ça, c'est au final. S'il vous plaît, mes amis. Vous avez une responsabilité, permettez-moi, et pléonasa, obligatoire, pour nous retirer bagay qui là dans Figi Moun, dans Figi Pays, dans notre pays. C'est une indécence, c'est une irresponsabilité. Haïti n'a jamais connu cette indécence avec un gouvernement qui est irresponsable, qui va aborder un y comme problème, qui est cynique, merci pour le mot, qui est cynique, merci journaliste pour le mot, qui est très cynique. Il est cynique ce monsieur, soi-disant un médecin. Qui devrait être un homme sensible. Qui devrait être un homme sensible. Un homme responsable. Qui donc, nous vient dire, monsieur Ariel Henry Jodia, allez-moi dire nous, m'a parlé des 8 cabinets d'avocats qui constituaient pour défendre le DG Jotel Joseph. Pour nous dire, un, ça n'a pas passé, il n'y a pas qu'à passer. Et Jodia, nous tendait, d'ailleurs, nous tendait réaction à Jean Bessapio. Et Jodia, au clair. Et je ne sais pas comment M. Ariel Henry a campé devant colère et fureur à Jean Bessapio. Je ne sais pas comment il a campé. Devant le peuple haïtien.
Bah, comment on va le camper? Pour ça, moi, qui commence là dans le sud, dans le nord, à Jacmel, dans le sud-est, bah, ouais, comment monsieur Ariel Henry a campé là? Qui donc, je vous invite, pour vous qui êtes journaliste, pour vous qui êtes citoyens, citoyennes de ce pays, vous avez une responsabilité de camper pour Haïti et c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire. Parce que si vous ne faites pas jeudi à la, demain matin, la porte à vous. Merci beaucoup. Merci. Mais c'est toute une batterie d'avocats. Eh bien, nous, chaque avocat a parlé. Oui, mais non, c'est... Non, nous ne pouvons pas rester. Voilà. Nous ne pouvons pas rester. Toi, quoi? Très bien. Nous ne pouvons pas rouler. Merci. 3, 4, non, c'est moi qui ai dit 4, donc 3 ou 4 là. Voilà. Oui. Voilà. Est-ce que nous aimons bien là? Non, non, non. 1, 2, 3, 4. On a salué la presse parler. Écrit et télévisé qui la matin. L'aime-t-il nous, nous avons une pléiade d'avocats que nous constatons qu'il a, qui est composé de plusieurs cabinets qui défendent le DG Jean-Tel Joseph. Excusez. Nous la matin, dans le cadre de la conférence de presse, pour que nous portions les éclairages qu'il faut par rapport à rumeur qui est dans la rue, nous dit rumeur. Parce que jusqu'à date, nous n'avons pas gagné et le moniteur ou la dernière décision qui t'apprend concernant le DG Jean-Tel Joseph. Nous venons pour nous non seulement faire la mise au point de cette question, et nous, en tant qu'avocat Jean-Tel Joseph, pour nous annoncer un ensemble de décisions, actions que nous décidons de prendre, si toutefois ça n'a pas dit dans la rue, c'est à ça. Premièrement, nous avons rappelé pour le grand public les attributions d'un premier ministre qui sont au nombre de 8 à 9. C'est conformément aux articles 158, 159, 159.1, 160 de la Constitution actuellement en vigueur. Qui baille, Premier ministre, des attributions qui dit qui ça a fait avec qui ça n'a pas fait. Moi, je viens pour nous expliquer à public là. La nomination d'un directeur général ou des directeurs généraux incombe seul, exclusivement et uniquement au président de la République, conformément à l'article 142 de notre Constitution qui constitue la Charte nationale de la République d'Haïti. Qui dit très clairement, il incombe seul et exclusivement au président de la République cette compétence, cette attribution de nommer les directeurs généraux. Et il est de principe général que l'autorité de la nomination reste et demeure la seule et unique autorité de la révocation. Je reprends. C'est un principe administratif connu de tout le monde. Moun qui doit nommer, c'est celui même qui doit pour lui révoquer. C'est un principe connu de tout le monde. Nous venons pour nous dire
que le Premier ministre ou M. Ariel Henry n'a aucune attribution, aucune compétence sur les directeurs généraux. Sinon, s'il a une compétence, ça, l'État a déjà nommé président de la République, là. C'est sa volonté entière. Donc, l'État a déjà fait ça depuis plus tôt dans le pays. Mais il connaît que les gagnants des limites. Donc, si ça nous tendait dans la rue, c'est à ça. Le Premier ministre Ariel Henry a tombé à commettre d'abord un acte que y aurait les abus d'autorité et excès de pouvoir. Et la loi, claire là-dessus, d'abord la Constitution. En son article 21, la Constitution de la République en vigueur, il dit clairement que la Constitution n'a pas une attribution, elle n'a pas un pouvoir, et où a aujourd'hui le droit ou le pouvoir, ça va être tout, ou fait un crime que y aurait les crimes de haute trahison, de violation de la Constitution, et l'article 21.1 de cette même Constitution les condamnait cette infraction comme étant une infraction qui condamnait à une peine. Très bien, oui. Très bien, oui. Les condamnait infraction ça à perpétuité. Est-ce que vous entendez bien ça qu'il dit là? Donc, excès de pouvoir ça, non seulement code constitution condamné, mais code pénal l'a condamné. Allez voir l'article 145, 146, 147, 148 et surtout 150 du code pénal. Il dit, l'on fait abus d'autorité et excès de pouvoir, les clercs, les SA, ils ont qu'à faire une action directe contre vous par devant le tribunal des droits communs. Qui donc? Nous venons, nous disons, nous, les cabinets qui constituaient batterie de défense du DG Jean-Pierre Joseph, nous sommes en train de confirmer. Et que si des autres ça dérive ça que M. Ariel Henry voulait faire, t'as confirmé, n'a gagné dans un premier temps pour nous aller par devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Et conformément à la loi du 17 mai 2005, pour que nous montrer M. Ariel Henry et que les lois de la République restent et demeurent. Et nous sommes certains et assurés que la Cour supérieure des comptes a constaté que le pari ni autorité, ni attribution, ni pouvoir, et a cassé décision ça. Et de l'autre côté, nous, les avocats de Jean-Pierre Joseph, nous décidons pour nous aller par devant le tribunal pénal contre non seulement le M. Ariel Henry, mais contre tout ministre qui endossait modèle de dérive ça. Parce que l'il dit très clairement, non, article 156 là, et que Zach, premier ministre, l'a commet, et l'il commet avec quel que soit ministre que l'il commet, il a endossé, et la charge pénale incombe à eux même tout. C'est pour nous dire, à tout le monde qui a joué le rôle de ministre, de facto ou autre, je ne sais pas si je connais. Mais le monsieur Ariel Henry, qui n'a pas ni autorité, ni compétence, ni pouvoir, ni légitimité, la pour faire des ordres et nous rentrer là-dedans, mettez dans tête nous, demain matin, la justice a croisé nous pour ne pas venir dire ces persécutions politiques. Donc c'est un avertissement qui est lancé à l'ensemble des ministres qui constituait le gouvernement ça, quoi de facto. Pour nous dire, nous aujourd'hui, grand pile n'est qu'il était grand pile pour pouvoir faire des ordres, et aujourd'hui, il y a un marron.
jodi a yo nan kache. Parce que les yo te chef, yo pat mesure pouvoir yo, yo pat mesure autorité yo, yo pat mesure compétence yo. Qui donc? Matignon, nous, les avocats de Jean-Tel Joseph, nous sommes là dans cette conférence de presse pour nous adresser à la population et pour nous dire et que dérive qu'a fait là, tout le monde connaît pour qui ça. Pour qui ça? Parce que nous tous songer. Les ministres l'ont demandé, monsieur, pour le DGA, pour le retirer à Jean Bessapio sous canal là, il était refusé et il demandé, ministre, ministre environnement. Voyez-moi une correspondance. Et aussi maladroit qu'il était, il voyait une correspondance de vrai. Et il demandait, il dit, Dominique est fâché avec l'État que l'a dirigé. Et il demandait pour y retirer l'argent de sa vie. Donc je dis à son règlement de compte politique qu'a géré avec le DG Jean-Tel Joseph. Et nous-mêmes, je dis à nous dire, nous pas accepter ça. Et nous pas capables d'accepter de telles dérives. Et c'est pourquoi nous lançons un appel à l'ensemble de la population haïtienne. Qui je dis à yo forcé à quitter la caillou côté au chassé yo m'pas cité nous contre toute zone yo déjà moi lancé un appel à toutes jeunes femmes et jeunes garçons qui dans pays a jodi a qui pas connaît à qui c'est pour yo adresser yo après 3 ans que monsieur yo yo kidnappé ce pouvoir yo pas abordé youn problème pays a au lieu aborder problème yo bon green bagaille yo fait. C'est encaisser l'argent, voyez l'argent serrer l'autre bord de l'eau, bail, moun ki gen zam nan men yo, plus l'argent, plus opportunité pour yo ka acheter zam, pour yo ka consolider sa yo rele pouvoir. Qui donc jodi a, les élites de la République, les secteurs responsables de la République, les secteurs progressistes, gen pour responsabilité, pour non seulement. Yo campé pour Haïti pour yo dire Ariel Henry. Non! Mais en même temps, pour nous faire ça capable pour nous retirer Haïti en bas griffe à Oussa Sayo qui constituait l'actuel pouvoir au gouvernement plenier. M'a campé là, m'a dit nous. Si nous pas campé pour Haïti jodia, demain matin, la prota. M'apprends. Si nous pas camper, la presse parlait écrite télévisée. Si nous pas camper pour Haïti pays nous jodia, demain matin cap vendredi a la trop tard. Parce que déjà pouvoir qu'il a de complicité à ensemble de mafia qui mène nous dans ça nous jodia, y a un mauvais projet pour nous. Donc vous avez la responsabilité en tant que citoyen, en tant que journaliste, en tant que jeune, en tant que responsable pour pays ça, pour nous camper pour Haïti et pour nous dire monsieur Ariel Henry, ce pays n'est pas appartient à lui-même parce qu'il n'a pas ni légitimité, il n'a pas de mandat, il n'a pas aucune autorité pour la faire des ordres que la fait là. Merci à la presse parlée, écrite et télévisée. Il a passé pour les questions et notre camarade aussi gagné éclaircissement. Merci encore. Allez-y. Pour mettre fin au niveau de la constitution, mais sans faire de l'article 59, parce qu'il y a un cas d'empêchement de la présidente, de l'institution de la présidente, du président, du premier ministre, alors le conseil des ministres, sous la présidence du premier ministre, exerce sa position. De la présidence. On dit en cas d'empêchement. En cas d'empêchement du président de la République. En cas d'empêchement. En cas d'empêchement du président de la République. Les empêchements. Merci. Tout bagaille. Merci. Merci. Et puis, merci. Le conseil des ministres. Sous la présidence. Alors, laissez-moi. C'est un journaliste. Je ne sais pas, les autres.
Total. Et directeur sortant fait l'élevage de ça qui vient du ministère de l'Environnement. Il y a tiré à faire les droits, à faire le droit. Très bien, merci. Merci, très bien. Alors, et c'est au journaliste, camarade, c'est qui la radio, s'il vous plaît? Galaxy 29. Ah, Galaxy. Merci, Evangel. Merci. Alors, premièrement, on a cadré la question du journaliste. Donc, s'il faut que vous allez dans la Constitution, il ne faut pas prendre parti dans la Constitution pour quitter un parti. Ce serait une méchanceté, pour ne pas dire une immoralité de la part de la presse. Parce que même ça, vous avez dit là, vous avez évoqué l'article et 149 là, quand vous avez regardé devant, qui obligation que l'il fait. Vous allez alléguer de la question de l'empêchement. Je dis à nous pas d'empêchement. Nous n'avons pouvoir qui kidnapper un ensemble espace politique au détriment de la République. Et vous n'êtes peut-être le seul qui pas connaît ça et m'a fait former de ça. Donc, monsieur Ariel qui l'a, il y a 3 ans qu'il a. Donc, même constitution ça que. Et dans le même chapitre ça que vous évoquez, il dit dans le premier jour, ok, il connaît très bien, ça peut partir dans le 90 jours. Il dit qu'il s'est pour fait, et je dis à quelqu'un 3 ans qu'il a, pour seul bagage que il fait. Il demande un budget de 330 milliards de gouttes avec une augmentation de 20%. Pour faire qui ça? Pour renforcer les gens qui ont des armes dans le pays, renforcer les gens qui sont dans le pays, pour mettre les gens en difficulté, pour faire les gens quitter la caillou, je dis à mettre les journalistes en difficulté. Pour que les journalistes qui sont en difficulté, parce qu'ils ont des petits péroles, ils ont des petits péroles dans le gouvernement. Ça ne peut pas emmerder, on ne peut pas emmerder. Okay? Pas emmerder. La deuxième question. Écoutez, s'il vous plaît. Nous allons finir. Deuxièmement. Journaliste a posé une question, il m'a dit, est-ce que ce n'est pas des autres affaires? Écoutez bien, oui. Par contre, ça, journaliste a arrêté des autres. Les directeurs généraux, des ou quoi, et que la population du Nord-Est décide de construire le canal, et il m'a dit pour venir d'elle, et que ce gouvernement a ou ça décidé pour lui demander pour faire l'injonction pour lui retirer l'argent, il dit non. Sur la demande de la population, je demanderai à ce journaliste dans quelle position nous nous apprenons. Est-ce qu'on t'a trahi le peuple là? Est-ce qu'on t'a trahi le canal là? Est-ce qu'on t'a trahi la production nationale là? Ou est-ce qu'on t'a prêté dans le jeu dominique pour aller faire bloquer le canal là? Même t'as posé une question, ça de préférence. Je vous poserai cette question de préférence. Est-ce que soutenant place des GA, les Dominicains ont fait pression sous gouvernement ça pour demander de retirer l'argent de Sapio sur le canal là? Parce que si ce n'est pas l'argent de Sapio, nous disons pas le canal là, oui ou non? Donc faut faire très attention. Donc, tout le monde connaît moi les verts. Je ne suis pas cadre des ordres ni à pape ni avec le roi. Mais la situation qui se pose dans notre République aujourd'hui, le roi parle de des autres. Donc vous voulez dire que Matisse en bloqué là, il n'y a pas des autres. Donc n'acceptez. Canal en bloqué, il n'y a pas des autres. Nous d'accord. Mon Gabi bloqué, il n'y a pas des autres. Nous d'accord. Mariani bloqué, il n'y a pas des autres. Nous d'accord. Mais je dis à mon groupe de militaires, d'ailleurs, pour votre information. Majorité camarades qui n'ont pas sapio, c'est des gens, l'État a ou ça après Kobio, n'en font pas sion. Ils volent l'argent, ils n'en font pas sion. Et ils voient dans une situation difficile. Et je dis, ils disent pas d'accord avec le modèle de l'État ça. Et moi-même et tout bon citoyen progressiste, fais quoi avec eux? Fais très attention. Nous pas d'accord avec des autres, nous ne pas d'accord avec des autres. Nous connaissons comme quelqu'un qui fait partie, qui prend parti pour la justice et pour le droit, la rigueur. Mais nous pas d'accord. Que je dis, pour mon abdim, entre sa pays d'Haïti et je dis, dans la zone l'ouest là, pour comparer, et que je dis, comme si Jean-Ministre et territoire perdu à Dili, et que ne gagne pas de problème. Mon cap kidnappé, mon n'y a pas de problème. Mon cap torturé, mon n'y a pas de problème. Mon qui problème, non, l'irélé, à Jean-Bessa. C'est de l'immoralité. Et par contre, quel citoyen qui respecte ta vie, qui est une famille? Qui est une famille? Il y a des gens
qui a posé une question, qui a arrosé les doigts pour venir dire ça dans la conférence de presse. Créole pour moi, chapeau, parce que nous on a tout corridor, on a tout coin, quel que soit côté événement, créole pour moi là, créole pour moi, chapeau, félicitations, nous pas jambes bouquet, félicitations. Créole pour moi, SPS, son choix qu'il dit. Bon, créole pour moi, SPS, son choix lié. Et moi, c'est créole pour moi, SPS, fait choix à balle.